Dieu est un capitaliste. Dieu est le Dieu des intérêts. J'ai commencé à chercher. Je me suis rendu compte que dans la Bible, Dieu ne marchait pas et ne traitait pas avec des gens de qui il ne gagnait rien. Dieu est intéressé par ceux qui sont intéressés par lui. Marie avait brisé le vase d'albâtre contenant le parfum de nard pour Jésus. Cette action a touché le cœur de Jésus. Mes amis, qu'on ne vous trompe pas, les actes de justice sont importants dans ta vie et dans ma vie. Les actes de justice, ne jouez pas avec. Lorsque tu veux être béni plus que tout le monde, fais aussi des sacrifices que personne n'a jamais fait. Et tu auras une bénédiction que personne n'a jamais reçue. Le genre de bénédiction que tu reçois dans ta marche avec Dieu, de manière sine qua non au genre de sacrifice que tu fais pour Dieu. L'acte de justice c'est quoi? C'est un sacrifice, une souffrance, une perte que tu acceptes pour honorer le nom de Dieu. Dieu cherche ça dans ta vie. Le jour du malheur, les actes de justice sont des épargnes dans ton compte bancaire spirituel. Quand tu es malade, Dieu vient, il fouille ta vie, les actes de justice. Il cherche un bien que tu as fait même 10 ans, 15 ans avant. Il s'appuie sur ça pour te bénir.